vous plaît, asseyez-vous. Vous savez que je veux que vous soyez arrêtés comme des servants. Mais c'est ce que nous sommes, Madame Olivia, vos servants. Ce n'est pas mal si on agit comme des servants. Je n'ai jamais cru au maître et aux servants. Et je ne croirai jamais. Donc, s'il vous plaît, asseyez-vous. Bien. Peu importe. Samson. Madame. Joe. Madame. Tina. Oui, madame. Madame Eda, c'est pour vous. Merci, madame. Je vais fermer la maison. Et partir pour un moment. Je ne sais pas si... quand je reviendrai. Contentez-vous du contenu de cette enveloppe. Cela peut vous aider à refaire une nouvelle vie. Hein? Jésus-Christ! 6 millions de naira! Hein? 6 millions? 6 millions? Qu'est-ce que, au nom de Dieu, je vais faire avec tout ce temps? Quelque chose se passe quelque part. 6 millions de naira ici. Je suis sûre que je suis en train de rêver. Samson. Samson. Est-ce que tu peux demander à madame ce qui se passe réellement? 6 millions de naira pour chacun de nous. C'est beaucoup d'argent. Hé? Madame, Geoffrey dit qu'il veut vous voir. Je sais, je peux voir. Quelque chose d'autre? Est-ce qu'on a besoin de deux personnes pour me dire que Geoffrey est ici? Nous nous inquiétons pour vous, madame. Si quelque chose ne va pas, s'il vous plaît, dites-le nous. Nous sommes vos servantes et aussi vos sœurs et frères. Nous avons habité avec vous dans cette maison depuis que votre mère qui nous a embauchés est décédée. Nous sommes choqués par le chèque de 6 millions de naira que vous avez donné à chacun de nous comme salaire. Et votre soudaine décision de fermer cette maison. Dites ce qui ne va pas. Nous sommes réellement inquiets. Tout va très bien. Je veux faire quelque chose de différent avec ma vie. Est-ce que vous voulez mourir en tant que servant? Vous n'aspirez pas à autre chose? Vous n'aimez pas l'opportunité qui vient de s'offrir à vous? Maintenant, dites à Geoffrey que je serai avec lui dans une seconde. Offrez-nous quelque chose à boire. Merci, madame. Est-ce que tu m'aimes? Oh, bébé, s'il te plaît. Bien sûr, tu sais que je t'aime. Je t'aime beaucoup. Est-ce que tu m'aimeras toujours? Bébé, je t'aime toujours. Toujours. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Quelle est cette question? Ça s'empire. Et qu'est-ce qui s'empire? Ça peut être à n'importe quel moment. N'importe quel jour. Olivia, de quoi parles-tu? Je suis allée voir le docteur et il a dit... Oh, hé, Olivia, s'il te plaît, je m'en fous de ce que dit le docteur. Tout ce qu'il veut dire, qu'il me le dise personnellement. Honnêtement, Olivia, je n'aime pas ça.
La drepa novocytose n'est pas une sentence de mort. Les étapes de crise deviennent plus constantes et sont régulières. Bien. Quand cela arrive-t-il? Les étapes du sang dans les veines, qui doit être conduit normalement à l'intérieur, a seulement un conduit de petite taille. Et donc, l'air ne peut pas passer librement au travers du sang. Alors, le chlore et les vaisseaux et les hémoglobines ne peuvent pas enrichir les organes. Dans le cas d'Olivia, il y a une séquestration de cannelure. Docteur, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que les cannelures? Bien, séquestration de cannelure, c'est une condition où la cannelure est dilatée pour faire plusieurs poches d'épuration, pour filtrer et dissocier les impuretés. Et bien sûr, ça peut être fatal pour la vie. Bien, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'espoir. Il y a de l'espoir. Hey, jeune homme, je n'ai pas encore fini. Jeffrey. Excusez-moi, docteur. Je vais lui parler. Écoute-moi. Tu ne mourras pas. Je ne te laisserai pas mourir. Partout où il y a de l'espoir, je vais t'aider à le retrouver. J'irai n'importe où avec toi. Je ferai n'importe quoi pour toi. Je serai intoxiqué par le désir de te voir survivre chaque jour de ta vie. Partout où tu iras, je te suivrai. Où tu te lèveras, je me lèverai. Et si tu tombes, mon amour, si tu tombes, je tomberai avec toi. Tes mots sont très réconfortants. Ils ont déjà chassé ma crainte. Je vais bien chez moi. Tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est de changer mon environnement. Je vais partir. Et je veux que tu viennes avec moi. Enfin, même si je dois mourir. Oh, ne dis pas ça, s'il te plaît. Non. Tu ne viendras pas à mourir. Même si je dois mourir. Tout ce que je demande, c'est de passer le reste de mes jours sur terre avec toi. Donc, viens avec moi. Il faut qu'on parte. Qu'on ait une petite maison. Prendre quelques habits. Assez de nourriture pour deux. Laissons toutes ces complications derrière. Je donnerai les biens de mon père. Je ne me soucie plus de ça encore. Je veux juste être avec toi. Tu viens avec moi. Chérie, je te l'ai déjà dit, j'irai partout avec toi. Je serai intoxiqué par le désir de te voir tout le temps sourire, tous les jours de ta vie. Crois-moi. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aime. Madame, vous avez tout ce dont vous avez besoin? Oui, j'ai tout ce dont j'ai besoin, merci. Pour être mieux, prends assez de choses. Tu ne sais pas combien de temps tu vas faire là-bas. Est-ce que nous allons vous revoir encore? Quand est-ce que vous revenez? Je ne sais pas quand je vais revenir, mais... Ne vous inquiétez pas, je serai bien. Non, non, s'il te plaît, ramène ma valise. Non, non, ça va, je vais partir toute seule. Viens, donne-moi ton téléphone. Tiens. Tiens ça. Je vais utiliser ton téléphone, s'il te plaît. Je serai bien. Je vais prier pour vous tous. Dieu vous bénira dans tout ce que vous ferez. Je vous reverrai. Quelque chose ne va pas. Suprema. Ça nous surprend. Suprema.
Donnez-moi juste une minute. Je ne serai pas long. Attends juste ici. Voulez-vous que je fasse descendre vos bagages? Non, ça va, je reviendrai. C'est juste parce que les gens ne doivent pas avoir confiance au taximètre pour laisser leurs bagages. Ça, c'est mon plus grand défaut. Je fais vite confiance. Salut Ocon. Bonjour. Bonjour. Où est Jeffrey? J'ai essayé de l'appeler mais son portable ne passe pas. Actuellement, il a voyagé ce matin. Voyagé? Oui, à l'ouest je pense. Pour voir ses parents. Mais il y a une lettre pour toi. Merci. Je t'en prie. Où ça? N'importe où. Emmène-moi n'importe où. Dois-je vous ramener au même endroit où je vous ai prise? N'importe où, à Bassam. Bassam? Bassam est très loin, vous le savez. Frère! Tu me sens comme Judas Iscariote, la trahissant. Tu ne peux pas être Judas. Judas a trahi son maître. Olivia n'est pas ton maître. Alors je suis Brutus. Qui a trahi son ami? Tu as tort encore. Tu ne peux pas être Brutus. Brutus a tué son roi et son ami. Olivia n'est pas ton roi, elle est seulement une fille. Con, tu ne peux pas comprendre. Regarde. Une partie de moi me dit que tu as fait une chose terrible. Et une autre me dit que c'est une décision sage. Regarde, comment je peux choisir de rester avec une fille qui est malade et mourante et différer mes études? Je dis, je n'ai pas de raison pour jouer avec mon futur. Je n'ai pas. Geoffrey, si cette question est adressée à moi, alors je dirais je ne sais pas. Tu es la personne qui aime Olivia. Tu dois en savoir mieux. Oh, Ocon. Je l'aime. Je l'aime. Mais je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Ami, alors ton amour est lâche. Ton amour est un poulet. Il ne peut survivre dans le feu. Alors si j'étais à ta place, je ferais la même chose. Je suis aussi confus que toi dans toute cette histoire. Je vais m'apprêter pour les coups. Je ressors tout à l'heure. Never say you will go from this life. Never feel it, never want it, never think it, never wish it. It's a beautiful life. Bonjour. Salut. Bonjour. J'espère que votre nuit a été bonne. Eh ben, peu importe. J'ai bien dormi. Juste quelques moustiques, mes amis. Désolée pour ça. Merci. Vous êtes en train de sortir? Oh oui, je vais juste tourner un peu. Amusez-vous bien. Je vais essayer. Thank you.
écoute, ça m'étonne que quelqu'un ne peut pas te dire de fermer ta bouche sur le fait que je t'ai envoyé à la justice pour le divorce. Ça m'étonne. Et pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Hein? Tu ne penses pas? Eh oui, j'ai pensé. J'ai pensé à toi et à ton petit ami Sam. C'est seulement à ça que j'ai pensé. C'est seulement à ça que j'ai pensé. Depuis que je t'ai découvert, c'est à tout ce que j'ai pensé quand je suis allé à la justice. Simple. Oh, tu dois penser à ta fille aussi. Et le traumatisme que la procédure du divorce est en train de lui causer. Maman, s'il te plaît, ça va. Allons à l'intérieur maintenant, s'il te plaît. Écoute-moi. Ton père était insensible. Il est insensible et il continuera d'être un homme insensible. Je vois, je suis insensible parce que j'ai décidé de divorcer d'une femme qui n'est pas fidèle à moi. Hein? Je ne t'étais pas infidèle. Je vois. Oui, où sont tes preuves? Où sont tes preuves, Obi? Maman! Regarde, ton père veut qu'on soit sans assistance. Mais je ne le laisserai pas faire. Oui, tu ne vaincras pas ce cas. Trouve un avocat et défie-moi la justice. C'est très simple. Papa! Et tais-toi, petite fille. J'ai cessé d'être ton père. Toi et ta mère êtes sortis de ma vie pour toujours. Et préparez-vous à sortir de cette maison. Celle-ci? Oui. Baby, je t'attends pour venir me chasser d'ici. Oui. Maman, s'il te plaît. Regarde, il doit arrêter de venir nous troubler ici. Toi, on se croisera à la justice. Oui, on se croisera là-bas. Je te verrai à la justice. Insensé. Salut. Salut. Mon nom est Olivia. Je suis ici pour le travail de gouvernement. Ne t'inquiète pas. Dis juste à ta mère que je reviendrai une autre fois. Je vois que c'est un mauvais moment. Non, attends. Je suis sûre que ma mère aimerait te voir. Viens avec moi. Je suis conforte. Le problème est que on peut ne pas être capable de vous payer assez. D'ailleurs, avez-vous une expérience? Avez-vous été gouvernante avant? Non, pas réellement. Mais je le ferai bien. Maman, elle est si belle. Ah, oui, elle l'est. Merci. Oh Dieu merci, vous êtes là. J'étais prêt à partir. Oh, vous? Comment allez-vous? Salut. Que faites-vous ici? Je suis venu vous voir. Hier, vous paraissiez triste dans la voiture. Je m'inquiétais pour vous. Est-ce que vous vous sentez mieux maintenant? Je me sens bien. C'est gentil de votre part. David. Oui. Ah, David, comme l'homme de la Bible. C'était un bon homme. Mais il aimait les femmes beaucoup. C'était une blague. Donc, où est votre voiture? Oh, je suis venu avec celle-là. Oh. Non. Vous savez, je fais la ligne de l'aéroport souvent. Spécialement le mercredi quand les diplomates arrivent. Je l'utilise pour les transporter. Mais que faites-vous demain? J'ai besoin d'aller en ville si cela ne vous gêne pas. Vers quelle heure voulez-vous que je vienne? Très tôt, à 7h. Ok. Ok, j'avais un rendez-vous, mais je peux le repousser. Je serai là. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Olivia. Attends. Je ne vous ai jamais dit mon nom. Oh, à l'hôtel, quand je suis arrivé, la réceptionniste, j'ai décrit la dame. Elle a dit, oh, ça doit être mademoiselle Olivia. Donc, j'ai retenu le nom à partir de là. Je vois. Ah, une autre chose. Je n'ai pas aimé lorsque vous disiez que David aime trop les femmes. Je vous ai dit que c'était une blague. Ok, je n'aime pas trop les femmes. Je voulais juste corriger cette impression. Non. J'aime les femmes. J'aime les femmes. Je dis, j'aime les femmes. Vous particulièrement. D'accord? Ok. Vous avez dit 7 heures? Oui, 7 heures. Ok, je serai là. Comment peux-tu faire du mal à quelqu'un que tu prétends aimer? Tu m'as promis beaucoup. Tu as promis. Bien. On
honnêtement, je l'ai promis dans la précipitation. Actuellement, j'ai promis sans réfléchir. Mais toi, réfléchis à ça, Olivia. Ça, c'était fou. Comment puis-je te promettre ma vie? Comment puis-je te promettre mes études? Comment puis-je te promettre mon propre futur? Suis-je fou? De la même façon que je peux te donner toutes ces choses sans réfléchir. Demande-les-moi. Mon éducation, ma vie, mon futur, je vais te les donner sans réfléchir. Maintenant, tu arrives à dire toutes ces choses parce que tu... Regarde. Olivia, c'est ça qui fait notre différence, ok? Je réfléchis avec mon cerveau. Et ton cœur? Bien, mon cœur agit selon les instructions de mon cerveau. Pas le contraire. Jeffrey, ce n'est pas toi. Cette personne en train de parler, ce n'est pas toi. Tu réalises que je suis en train de vivre mes derniers jours? Je veux disparaître de cette planète Terre à tout moment. Tout ce que je demande, c'est de passer les derniers jours de ma vie avec toi. C'est tout. Ok, viens maintenant. Viens, s'il te plaît. Écoute-moi. J'ai déjà trouvé un travail, ok? C'est une famille modeste. Le salaire est bon pour moi. Ils m'ont offert une chambre dans leur maison. Regarde, attends un peu. Viens avec moi. Ce n'est même pas loin de la ville. Tu peux toujours aller au cours si c'est ce que tu veux. Si tu ne veux pas rester là-bas avec moi, on peut louer une chambre ou tout ce que tu veux. Viens juste avec moi. Olivia, ça c'est de la folie. Tu as un joli château. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre là? Au lieu de vivre une vie misérable, vous êtes un petit peu. Regarde! J'en ai assez de cette vie déjà. Je veux juste une autre. Je veux une autre sans servante à côté. Sans que le groupe ne redémarre quand le courant est coupé. Je veux juste une vie simple et je la veux avec toi. C'est la seule façon que je pourrais mourir heureuse. Tu ne comprends pas? Jeffrey, s'il te plaît, viens avec moi. Non. Olivia, qu'est-ce qui ne va pas? Emmène-moi au centre de santé, je ne me sens pas bien. Montez dans la voiture. Vous vous sentez bien? Je ne devais pas vous envoyer ici encore. Je savais qu'il allait vous faire du mal. Vous vous sentez bien? Vous vous sentez bien? Elle va mieux maintenant. C'est vous qui avez envoyé Olivia ici? Bien sûr, docteur. Ok. S'il vous plaît, venez me voir. S'il vous plaît, ne restez pas trop longtemps et ne la faites pas trop parler. Ok, docteur. Ça peut aller. Allez-y. Merci. Salut. Salut. Je peux dire que vous m'avez beaucoup effrayé. Si tu restes longtemps avec moi, tu vas t'habituer. Je m'évanouis souvent. Alors, est-ce qu'ils vont vous laisser partir tout à l'heure? Ou dois-je vous attendre pour vous ramener à la maison? Non. Le docteur a insisté pour que je passe la nuit ici cette fois-ci. C'est ennuyant parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Bien. Désolé pour ça. Est-ce qu'il y a des choses que je peux vous aider à faire? Oui, bien sûr. Deux choses. Je dois informer mon nouvel employeur que je ne viendrai pas. Avant que je ne perde mon nouvel emploi. Mais d'abord, ne placez pas votre main comme ça. Placez bien votre main pour que le produit puisse passer.
je peux aller là-bas leur dire que vous êtes tombé malade. Non, non, s'il vous plaît, ne leur dites pas que je suis malade. Avant qu'ils ne pensent qu'ils ont employé quelqu'un de fragile pour le travail. Vous pouvez leur dire que je suis en voyage. Je suis allé chercher le reste de mes habits. Je ne serai pas là jusqu'à demain. Et deuxièmement, je veux que tu retournes à la maison de mon petit ami, Jeffrey, où tu m'emmènes toujours. Juste pour lui dire que je suis ici et qu'il vienne me voir. Le même gars qui vous fait pleurer tout le temps. Donc pourquoi ne pas l'appeler au téléphone alors? J'ai essayé, mais il ne décroche pas. Je pense qu'il se sent coupable de la façon dont il m'a traité. Donc, qu'est-ce que le docteur a dit qui ne va pas? Je suis malade. Je suis vraiment malade. Je me sens si faible et je m'évanouis. Mais ne t'inquiète pas, comme je suis ici, je vais bien, aussi bien que toi. Vous êtes sûr que vous irez bien? Oui. La perfusion. Si elle pouvait passer plus vite que ça. Ok, monte, on s'en va. Tu ne vas plus? Non. Monte dans la voiture. J'ai dit non. Ce n'est pas sage pour moi d'aller à l'hôpital pour la voir. Je ne peux pas. Geoffrey, monte, elle veut te voir, elle ne se sent pas bien. C'est ridicule. Tu as cette belle fille en tant que partenaire et tu la traites comme ça. Quelque chose ne va pas avec toi, c'est ça? Bien. Je ne sais rien de ta valeur, garçon. Premièrement, je ne suis pas un garçon, je suis un homme. Je ne sais rien de ta valeur, mais je dis quoi? Une fille dans un état terminal de drépanocytose, ce n'est pas mon genre de fille avec qui j'aime sortir. Tu m'as bien saisi? Olivia est mourante. Olivia est mourante? Oui. Jésus Olivia Christ. Est mourante. Jésus-Christ. Elle ne peut pas passer un an à vivre. Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ. Si cela ne t'effraie pas, ça effraie une partie de moi. Ça te choque? Bien. Je peux voir qu'il n'y a pas longtemps que tu la connais. À partir de ce que je vois, tu l'aimes aussi. Bien, ça ne me gêne pas. Ça veut dire que j'ai un remplaçant maintenant que je suis parti. Parce que... Attends, c'est de la folie. Je ne peux pas continuer d'aimer une fille susceptible de mourir à tout moment. Je ne sais pas. À côté de ça, je... Tais-toi! Tais-toi. Et qu'est-ce qu'il y a? Écoute-moi, regarde. Je ne suis pas un mauvais garçon. Ok? Tu as compris? Je ne suis pas un mauvais garçon. Seulement que j'ai peur. J'ai seulement peur de sa mort. Je ne suis pas vraiment un mauvais garçon. David, tu es là?
Le docteur vient de me libérer. Tu as trouvé Jeffrey? Si tu as perdu une pièce en argent et que tu trouves une en or, ne serais-tu pas heureuse? Je ne veux pas l'argent ou l'or. Je préfère le diamant parce qu'il dure pour toujours. Je t'ai seulement posé une question. Ok, oui. Si j'ai perdu ma pièce en argent et que je retrouve une autre en or, je serai exaltée. Pourquoi toutes ces questions? Le vrai or et le diamant sont le futur. Tu dois arrêter de te focaliser sur Geoffrey pour cela. Tu dois arrêter de te faire souffrir. Comme nous le savons tous, la vie peut être cruelle des fois. Ce ne sont pas tous ceux que tu aimes qui t'aiment en retour. C'était la chambre de mon papa et de ma maman, jusqu'à ce qu'ils nous quittent. Maintenant, personne ne dort ici. Même ma maman n'aime pas venir ici parce qu'elle se rappelle les moments de paix avec papa et ça la fait pleurer. Toti Olivia, penses-tu que maman viendra dans cette chambre maintenant que c'est toi qui vas rester ici? Bien, je ne sais pas. Mais peut-être que si je souris toujours, et que ta mère voit que je suis heureuse, elle va commencer à revenir. Qu'en penses-tu? Tu vois, je te l'avais dit. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Ah ah. De toute façon, comment te sens-tu ici? Ah bien, c'est pas mal. Madame Robot, ça me plaît. Comfort, appelle-moi Comfort. Ce nom n'est pas un bon souvenir pour moi. À part être une gouvernante, je veux dire une enseignante de ma fille lorsque je suis au travail, je veux aussi qu'on soit des amis. Parce que à part Babi, je n'ai pas un ami. Ce sera mon plus grand plaisir. Ah, d'accord. La nourriture sera prête au moment où tu finiras de ranger. Ok, merci. Babi, maman a besoin d'aide dans la cuisine. Viens m'aider à laver les assiettes, ok? Ok, maman. Je reviendrai après avoir fini de laver les assiettes de maman. Ah. Tu es sûr que tu n'as pas besoin de mon aide? Oh non. Tu es déjà heureuse ici. Je suis... C'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. Une belle vie. Considérant qu'il ne me reste plus assez de temps. Ne t'inquiète pas, ok? Tu iras bien. Tu ne sais même pas à quoi je fais allusion. Mais ça va. Je sais.
Tu sais? Je sais. J'ai dit au docteur Thomas de ne rien dire. Regarde Olivia, docteur Thomas ne m'a rien dit. C'est ton petit ami Geoffrey qui l'a fait. Quoi? Tu vois, mais ça ne change rien. Ça ne change en rien ce que je ressens pour toi. Je suis tombé amoureux de toi, Olivia. Très bien. Kat. Papaye. Excellent. Papaye. Et en plus. Citron. Applaudis-toi, c'est bien. Très bien, très bien. Je suis impressionnée. Pour avoir répondu juste, ça c'est un cadeau. C'est ce qu'on donne à ceux qui travaillent bien. Maintenant, quelle est la prochaine matière à faire? Babi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne l'aimes pas? Personne ne m'a acheté un nouvel habit depuis que mon papa nous a quittés. Merci Toti. C'est bien. Viens. Ton père ne t'a pas encore laissé. Il reviendra, ok? Ne t'inquiète pas. Non, il ne reviendra pas. Il a déjà envoyé maman à la justice pour le divorce. Et il va nous chasser de cette maison. Ma chérie, est-ce que tu sais la signification du mot divorce? Non. Mais je sais que maman n'a pas assez d'argent pour payer un avocat. L'école va bientôt reprendre et maman n'a pas assez d'argent pour payer ma scolarité. Ce qui veut dire que je ne reverrai pas mes amis encore. Mais au moins, tu es avec moi et je suis avec toi. Toi et moi deviendrons des amis, n'est-ce pas? Regarde, ne t'en fais pas. Ta mère aura un avocat et paiera tes études. Même si je dois cotiser tout mon salaire et demander à mes amis de cotiser tout leur salaire. Hein? Tu vas avoir un avocat et tu vas aussi gagner le procès. Tanti, est-ce que ma maman est une mauvaise femme? Non chérie, pourquoi tu demandes? Qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que papa boit beaucoup et n'apporte pas l'argent pour la nourriture. Ma maman a prêté de l'argent à l'oncle Sam, l'ami de mon papa. Le jour où il est venu réclamer son argent, maman pleurait. Parce qu'elle n'avait pas d'argent à lui donner. Donc il a consolé ma maman comme ça. Elle lui a dit d'arrêter de pleurer, que toute chose irait bien. Quand papa est rentré, il a commencé à crier en les traitant de tous les noms. Il a déménagé et depuis, il est devenu méchant envers nous. Est-ce que ma maman est une mauvaise femme? Pour laisser Aunt Sam la consoler et essuyer ses larmes? Non chérie, non non. Ta maman n'est pas une mauvaise femme. Non. Toti, c'est mon papa qui est un mauvais homme. Chérie, écoute-moi. Ce n'est pas à nous de juger qui est mauvais ou qui est bon. D'accord? Mais je te promets, toutes les choses iront mieux. Ok? Souris un peu. Continuons notre leçon. Quel est notre prochain sujet? Baba! 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 Bien, quel est ton problème? Devant qui est-ce que tu recules? Arrête-toi là, toi petit diable. Écoute-moi très bien. Je suis venu ici pour que tu me dises toute la vérité au sujet de Oncle Sam et ta mère. Combien de fois il vient ici quand je suis au travail ou quand je suis au bar? Alors dis-moi. Papa, avant toute chose, je ne veux pas répondre à ta question. Parce que tu m'as appelé un petit diable. Et je ne suis pas un petit diable. Toi, réponds-moi, toi petite insolente. Maintenant, écoute, tu iras en enfer si tu me désobéis. Dis-moi toute la vérité. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour, monsieur. J'ai entendu des voix criardes. Qu'est-ce qui se passe, Babi? Tu vas la laisser? Descends. Allez, descends.
Viens, reste ici. Dis-moi toute la vérité au sujet de ta mère. Et écoute, cette petite âme ira en enfer si tu ne me dis pas la vérité. Maintenant, vas-y. Monsieur, monsieur, quel est le problème? Faites attention au choix du langage. Ce n'est qu'une petite fille. Baba, qui est cette squatteuse? Qui est-elle? Quelle est sa position dans cette maison pour me questionner? Oh, donc, ta mère a pris une décision d'aller ramasser des mendiants dans la rue pour les envoyer dans cette maison. Pour les laisser me questionner dans la maison dont je paie le loyer. Je vous demande pardon, monsieur. Je ne suis pas une mendiante. Je ne viens pas aussi de la rue. Hein? Bien. Va chercher de l'aide. Parce que tu ressembles à une mendiante malade qui est prête à mourir dans les prochaines heures. Qui est devant moi? Et toi? Je reviendrai. Je reviendrai. Patrick, s'il te plaît, allons à l'intérieur. Babi m'a tout raconté. Tu ne vas pas dire que tu prends les paroles de mon ex-mari au sérieux? Hmm? Viens, Babi. Il m'a appelé malade. Malade et prête à mourir. S'il te plaît, laisse tomber. Hein? S'il te plaît, laisse tomber. Hein? Tu sais, ce qu'il a dit n'est pas vrai. Tu es bien et en forme. Oh non, 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 non. S'il te plaît, arrête de pleurer. S'il te plaît. Olivia, arrête de pleurer. Non, 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 non. Non. Je dois dire que tu as du goût pour une belle vie, monsieur Robot. Qu'est-ce que tu veux ici? Qu'est-ce que tu veux? Donc, voici ce que le divorce veut dire. Hein? Tu loues un nouvel appartement, forniquant comme un jeune homme. Et comme ça, tu as aussi une jeune fille. Tu utilises le prétexte que j'ai demandé à ton ami Sam de l'argent comme grande excuse. Les choses commencent à devenir plus intéressantes. Dis-moi, qui t'a montré chez moi? Dis-moi qui t'a montré ma nouvelle maison? Qui? Je suis dans la chambre. S'il te plaît, règle ça, je suis dans la chambre. Ok. Maintenant, sors de ma maison. Je dis, sors d'ici. Oh mon Dieu, le monstre lui-même a parlé et moi je tremble de peur. Bien, Obi, écoute-moi. Tu peux faire tout ce que tu veux avec ta vie. Mais ce que je n'accepterai pas de toi, c'est que tu viennes chez moi pour insulter ma fille et ma gouvernante avec ta mauvaise langue. Maintenant sors d'ici, toi pute.
Tu m'appelles pute. Quoi? Je n'arrive pas à croire. Aïe! Je t'en prie, arrête, arrête. Comment je peux appeler cet méchant homme mon mari? Un homme qui frappe sa femme toujours. Tu as vu ce que ton père m'a fait? Hein? Est-ce parce que je n'ai personne pour lutter pour moi? Je ne laisserai pas faire. Dieu punira cet homme. Samson, mon cher, écoute-moi. J'ai besoin de ton aide. Mon aide, tu l'as déjà? Ok. Tu peux me trouver à la maison demain à 9h. Au plus tard à 9h. Je serai là-bas à 8h. Et laisse-moi partager la bonne nouvelle avec toi. J'ai mon propre supermarché. Tu es sérieux? Ah ah, Samson, ça c'est une très bonne nouvelle. Je suis heureuse de l'entendre. Ok, merci beaucoup. Tu sais, je suis fière que tu as investi l'argent que je t'ai donné pour un bon usage. C'est bien. Ok, on se verra demain à 9h, n'oublie pas. Au revoir. Tu es prête? Apporte le tabouret. Assieds-toi. Toti, puis-je te poser quelques questions? Demande-moi, c'est quelle chose? Pourquoi tu es venu ici habiter avec nous? Toti, d'où est-ce que tu viens? Tu sais quelque chose, Babi? D'où on vient n'est pas le plus important. C'est où on s'en va. La vie est si courte, donc il faut la vivre au maximum. Pourquoi Toti? Pour aimer tout ce qui est aimable, aider ceux qui ont besoin d'aide. Et spécialement, mettant le sourire au visage de ceux que j'adore, comme toi. Maintenant, c'est le moment d'étudier. Ouvre ton livre à la page 3. Madame Olivia, bonsoir. Samson, comment tu vas? Oui, je vais bien. Félicitations pour ton mariage. Merci beaucoup. Je suis très contente. Ok. Rapidement maintenant. Samson, tu dois me rendre un service. Ok. Prends ce chèque et va le retirer. Va au lot 6674 du quartier Bassam. Demande une certaine Madame Confort. Donne-lui cet argent. Dis-lui que ça vient d'un donateur anonyme. Quelqu'un qui a vu la méchanceté de son mari et qui veut l'aider. Ok. Elle doit utiliser cet argent pour prendre un avocat. Ok. S'il te plaît, ne mentionne pas mon nom du tout. Ok. Madame, je suppose qu'on ne va pas me poser des questions. Tu supposes correctement. Prends soin de toi. Merci. Chauffeur. Et le chat sauta sur la souris qui prit la fuite. Pour sauver sa vie, pour montrer qu'elle peut. Recommande ton sort à l'Éternel. Il fera de toi ce que ton cœur désire. Mets ta conscience en lui. Je suis si heureuse. Je vois ça. Je suis si heureuse. L'argent. L'argent, ma soeur. Quoi, tu as gagné la loterie? Tu vois, quand quelqu'un traverse la peine et la tristesse dans la vie, la personne perd tout espoir et pense que personne ne voit et ne s'occupe. Mais il y a toujours quelqu'un qui s'occupe. Et souvent, par le geste de gentillesse, il nous prouve qu'on n'est pas seul. Oui, on n'est pas seul. Qu'est-ce que c'est ça? C'est l'argent.
Excuse-moi. Allô, madame, j'ai donné l'argent à la famille. Un Samaritain qui ne veut pas qu'on le reconnaisse nous a envoyé cet argent. Réellement? Oui. Pour prendre soin de nous et pour trouver un avocat pour nous défendre à la justice. Allô? Madame, j'ai donné l'argent à la famille. Quand le cas de divorce va se présenter. Oh, ça c'est une bonne nouvelle. 500 000 naira. Réellement? Vois, vois. Mon chagrin est fini, oh. Tu as besoin d'aller garder tout ça. C'est beaucoup d'argent, tu sais. Regarde, je serai capable de payer ta scolarité, d'accord? Hé, hey, donne-moi une minute, je reviens. Une minute, oh. Ok. T'inquiète pas, tu le mérites. Madame. Oui, Samson. Oui, merci beaucoup. Merci. Désolé si j'ai dû couper le téléphone. J'étais dans un endroit où je ne pouvais pas parler librement. Ok, je vais bien, je vais bien. Je vais bien, merci. Ok, merci madame. Très bien. Bonne nuit madame. Bonne nuit Samson, merci. Quelque part. Je suis seule à la maison avec Babi. Qu'est-ce que je fais? Je viens avec elle? D'accord, viens avec elle. Ok, je m'apprête. Everybody says that we can make another house. A house is not a home. Tu n'as pas encore dit où tu nous emmènes. Un petit suspense est bon pour le cœur, ma chère. Qu'est-ce que tu en penses? Mais ce suspense dure déjà 40 minutes. Où est-ce que tu nous conduis exactement? Sois patiente. On va arriver bientôt. Où penses-tu que je t'emmène quelque part pour te tuer? Si tu penses que j'ai peur de l'amour, au stade de ma vie, il faut réfléchir encore. Tout le monde a peur de l'amour. Tati Olivia, tu n'as pas peur? Non, chérie, j'ai pas peur. Pourquoi? Même ma maman a peur de la mort. Ne parle plus de mort, ok? Everybody says that we can make another house. A house is not a home. When you go, when you break on what we have, when you make it double, yes, you make me see you wanna go. Time after time, girl, I'm down on my knees. Girl, I'm praying for us. God, I want us back, back together, sweet forever, like one. Tu es la bienvenue dans ma maison. S'il te plaît, fais comme chez toi. Ta maison? Baby, s'il te plaît, visite la maison pendant que je parle avec Tante Olivia. Donc tu es un chauffeur de taxi et tu vis dans ce genre de maison? Explique. Maintenant, premièrement, je ne suis pas un taximan. Clairement, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de différent à ton égard. Je dis, ton charisme et ton français soigné, tes manières polies. Et je sais que beaucoup de taximen dans ce pays ne l'ont pas. Alors, si prends-moi davantage.
vois, la première fois que je t'ai vu arrêté au bord de la route, essayant de m'arrêter, j'ai vu cette belle petite innocente fille. Et quand tu m'as arrêté, j'ai garé parce que je voulais juste te prendre. Continue. Alors, quand tu as dit « Taxi, combien je peux vous louer pour une journée ?» J'ai garé parce que je voulais te prendre. Alors, j'ai prétendu être chauffeur de taxi. Mais je ne suis pas un chauffeur de taxi. Ok. Donc, qu'est-ce que tu es exactement? Oh, disons que je suis un promoteur d'événements. Tu vois, actuellement, j'ai ma propre société d'événementiel. Et je suis amoureux de toi. Tu ne dois pas dire quelque chose maintenant. Ce que je ressens pour toi est assez pour nous deux. Oh, je suis heureux de te connaître, de t'aimer, de ressentir quelque chose pour quelqu'un de tout, s'il te plaît. Ça ne va pas durer. Olivia, même si ça doit durer une journée, je serai heureux, je serai reconnaissant à Dieu de t'avoir connu, de t'avoir aimé, d'avoir connu quelqu'un de si merveilleux comme toi. Je serai content. Les mots, et plus de mots. J'ai déjà attendu cela auparavant. Olivia, je ne suis pas Geoffrey. Je ne suis pas le même que Geoffrey. Olivia. Ok, Tanti, je suis fatiguée. La maison est belle. Oh, ok, viens. Assieds-toi ici. On ira tout à l'heure à la maison. Tu vas bien? Tu sais, tu dois aimer beaucoup cette fille. Je l'aime. Et je suis très chanceuse et très reconnaissante à Dieu. Parce qu'à ce stade de ma vie, où la fin est proche, je suis soudainement entourée par beaucoup de choses merveilleuses. Je sais que ça t'étonne que je me soucie de quelqu'un comme Geoffrey, qui n'apprécie pas mon amour. Mais tu vois, la vérité est que aimer Geoffrey est probablement une des choses qui me garde en vie. Je peux ne pas t'aimer, David. Je veux que tu saches que j'apprécie ta présence dans ma vie en ce moment. Parce que la vérité est que tu es probablement mon rocher. J'apprécie beaucoup. Merci. Tu parais surpris de me voir. Tu penses que je suis morte du brisement du cœur que tu m'as causé? Regarde, je ne suis pas ici pour des histoires, ni pour te blâmer aussi. J'ai soudainement eu le désir de voir ton visage, donc j'ai décidé de venir te voir. Ah! Olivia, tu m'as vraiment manqué. Oui, tu m'as beaucoup manqué. Et tout le monde à l'école te manque. Et demande après toi. Et qu'est-ce que tu leur as dit? Olivia, j'avais pensé t'appeler. Pourquoi? Tu manques d'argent? Oui. Donc pourquoi tu m'as pas appelé? Regarde Geoffrey, il n'a pas de raison pour avoir cette mauvaise conscience que tu as. Il n'y a pas une loi qui dit que si quelqu'un t'aime, tu dois l'aimer en retour. Malgré tes mots de mensonge et
Tes souris décevants, je t'aime toujours. T'aimer me rend heureuse. Et pour le moment, c'est ma joie et c'est tout ce qui me porte. Donc ça va. Je suis heureuse en faisant ce que je fais. Je vois que tu vas bien. Je vais partir maintenant. Regarde ton compte demain, je vais virer quelque chose pour toi. Hé, Jeffrey, dis à David ma condition médicale n'était pas nécessaire. Ma condition est mon affaire de lui dire. Hein? Obi, je ne te comprends pas. Es-tu un sadique qui prend plaisir à venir toujours ici pour nous déranger? Hein? Écoute, apporte notre certificat de mariage et je te laisserai tranquille pour de bon. Je ne te donne pas. Tu ne donnes pas? Oui, je ne te donne pas. Je vais rentrer là-bas et le récupérer par la force. Oh, tu ne feras pas ça. Papa, qu'est-ce qu'il y a encore aujourd'hui? Demande-lui. Parle-lui. Maman, utilise l'argent qui nous a été donné pour payer un avocat. Ça devient trop. Merci, ma chérie. Donc, tu as finalement réussi à tourner cette fille contre moi. Hein? D'ailleurs, qui t'a donné de l'argent? Qui t'a donné l'argent? Tu veux savoir, Obi? Tu veux savoir? Crois-moi, je vais prendre un avocat qui va obtenir une injonction pour t'empêcher de m'approcher, ainsi que de Babi, jusqu'à ce que le cas de divorce soit scellé. Oui. Alors, de nouveaux petits amis viennent dans cette affaire maintenant te donner de l'argent. Honte. Tu vois? J'ai dit ça au début. Tu es facile, très facile. Tu vois? Et qui es-tu? Tu n'es qu'un chien. Oui, toi. Tu me traites de chien. Qui a commencé avant? Hein? Qui a commencé avant? Obi, crois-moi. Crois-moi. Je vais prendre un avocat. Tu ferais mieux de nous laisser en paix. Laisse-nous en paix. Dieu merci, j'ai l'argent maintenant. Oui, je vais prendre un avocat aujourd'hui. Regarde, Tu penses qu'en parlant de tes avocats, ça peut m'effrayer? Regarde, ce qui importe, je prendrai un avocat. Oui, et toi, je vais te combattre jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Oui, et sûrement, tu vas payer pour m'avoir emmerdé, moi et ma fille. Attends jusqu'à ce que la cour entende ma version et on saura qui est infidèle. Jusqu'à cela, on verra. On verra sûrement. Oui, Obi, honte à toi. Maman, il a peur maintenant. Ne l'écoute pas. Il sait qu'on peut avoir un avocat maintenant. Mon ange, allons à l'intérieur. Honte à toi. Tu vas bien? Ne t'occupe pas de mon ex stupide mari. Il est venu nous emmerder ce matin. Tu peux imaginer? Peu importe. Comment tu vas ce matin? Je vais bien, merci. Bien, Olivia. Je suis venue te payer ton premier salaire. Salaire? Oui. Tati Confort, ce n'est pas encore la fin du mois. Pourquoi tu me payes? Quelle est la raison d'attendre jusqu'à la fin du mois alors que j'ai l'argent maintenant? Regarde. Voici 20 000 naira pour toi. Nous étions d'accord sur 15. Tu es en train de me payer plus. Olivia, c'est mon plaisir de partager avec toi ce que j'ai reçu librement d'un bon samaritain envoyé par Dieu. Allez, prends-le. C'est notre bonne fortune. Et je dois dire que tu as apporté le bonheur dans ma maison. Oui. Bien, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse et qu'il remplisse tes poches pour ceci. Allons, ma chère. Tu ne dois pas me remercier. Si tu me remercies maintenant, qu'est-ce que je vais dire à l'homme qui nous a apporté cet argent? Hein? Pour qui je n'ai pas travaillé? Dis-moi. Et si je peux découvrir qui il est? Je vais aller vers lui, me prosterner à ses pieds et l'embrasser. De toute manière, je dois partir. Nous, les agents du ministère du Travail, on nous défend de venir même une minute en retard au travail. J'ai compris. Et prends soin de toi et de Babi pour moi. Je le ferai. Merci beaucoup. Ne me remercie pas. Ah. Passe une bonne journée.
Dieu, je te remercie de m'avoir utilisé pour bénir cette merveilleuse famille. Au moins, c'est ce que je peux faire avant.